Bonsoir à tous. Alors, est-ce que euh, le son fonctionne bien Et si oui, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, euh, j'avais prévu d'aborder quelques sujets entre guillemets plus politiques, donc euh, notamment parler de, de la question de dissolution des différentes associations, de contrôle des prêches et tout ceci. Mais. Euh, avant, je vais revenir du coup sur quelques euh, commentaires qui ont pu être faits sur ma chaîne euh, par rapport aux dernières vidéos. Donc, euh, je vais vous partager quelques réflexions et puis on verra ensuite pour les sujets un peu plus politiques. Alors, j'active tout de suite le partage d'écran. Alors, première remarque de quelqu'un qui s'appelle On. Jean l'évangéliste n'est pas Jean l'apôtre. Lire à cet égard les ouvrages suivants, Marie-Émile Boimard, Le martyr de Jean l'apôtre, Jean Colson, L'énigme du disciple que Jésus aimait, Oscar Kuhlmann, Le milieu joanique, étude sur l'origine de l'évangile de Jean, François Le Quéré, Recherche sur Saint Jean. Euh, alors oui, personnellement, je suis assez d'accord avec cette, ce commentaire. C'est-à-dire que je pense effectivement que Jean l'évangéliste... N'est pas Jean l'apôtre, et euh, parmi les livres cités, il y en a plusieurs que j'ai lus Marie Émile Boisemart, le, mari, le martyr de l'apôtre Jean. Euh, en particulier, je, je le recommande. C'est vraiment un livre très intéressant. Alors, Marie-Émile noir a bon, de temps en temps des thèses assez contestables et qu'on discutait, mais dans ce livre-là, vraiment, il fait un travail très approfondi et il montre qu'en fait il est très de l'apôtre, soit mort assez tôt. Il, il, il recoupe différentes sources et tout ça. Il est possible qu'en fait Jean Lapo soit mort dans les années 40 ou 50, je ne sais plus exactement. Et du coup, le Jean, euh, le Jean qui a rédigé l'évangile et le Jean, enfin, et je pense aussi l'Apocalypse, est un autre Jean. J'ai aussi lu Jean Colson, l'énigme du disciple que Jésus aimait. Oscar Kuhlmann, je ne, je ne sais plus. Euh, François Quéré, j'ai aussi lu Recherche sur Saint Jean. Donc voilà, Donc, je suis assez d'accord avec cette remarque et euh, je, je rejoins ce commentaire. Alors, je ne sais plus s'il répondait. Non, oui, non il répondait à la vidéo. L'apôtre Jean est-il encore en vie Mais j'ai fait aussi une autre vidéo sur euh, l'auteur et le, la datation Apocalypse. Euh... bonsoir, vincent. oui, en fait, c'est moi qui ai oublié d'activer la notification plus tôt. donc, c'est pas grave. On, on vient juste de commencer. bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, ce que je disais, c'est que ce soir on allait plutôt aborder des questions politiques. mais, juste avant, je, je fais un petit point sur quelques commentaires qui ont été laissés euh, durant cette semaine. voilà un peu. donc, j'ai juste commenté pour l'instant euh, un, un commentaire en rapport avec les avec euh, l'identité de Jean. et donc là je continue bon alors là euh, le fait que le vaccin soit la marque de la bête bon moi j'y crois pas du tout euh, et ensuite un, un vaccin expérimental pouvant causer la mort des AVC etc euh, Bon là je ne suis pas d'accord du tout avec ce commentaire et euh, Mais je vais y revenir un peu après. Euh, David, grave erreur de penser que tout est accompli. Toutes les prophéties ne sont pas terminées, comme le quart de l'humanité qui mourra à l'ouverture des sept sceaux, l'enlèvement de l'église et tout ça. Bon, je ne vais pas revenir dessus. J'ai quand même fait toute une série de vidéos et d'articles qui sont maintenant d'ailleurs disponibles facilement sur mon blog. Je vais quand même... Euh... Je vais quand même le mettre ici là vous voyez sur le site hop là vous avez tous les articles ici et donc dans euh, la première partie doctrine de la fin des temps vous avez ma série d'articles sur l'eschatologie donc j'insiste pas mais euh, voilà j'explique pourquoi je ne crois pas du tout à cette théorie de vaccin qui est la marque de la bête. Mais par contre ce que j'avais dit la dernière fois il me semble c'est que c'est quand même un, un exemple intéressant qui nous montre comment notre eschatologie peut avoir des conséquences euh, en fait concrètes sur nous et sur la société. donc euh, finalement c'est encore un, un exemple intéressant à, à ce propos là Alors, je vais tout de suite répondre à la question d'Angelo. Prévois-tu de faire une critique textuelle sur le livre de l'Apocalypse Alors, je ne sais pas ce que tu entends par critique textuelle. Euh, je ne compte pas spécialement faire une critique textuelle, c'est-à-dire que je ne compte pas comparer les manuscrits et tout ça. Par contre, je compte faire oui un, un commentaire de l'Apocalypse à l'occasion. C'est un projet que j'ai depuis longtemps. Euh, je vais travailler dessus un peu d'ailleurs dans le cadre de ma thèse, donc je vous partagerai peut-être cela dans quelques vidéos. Mais à terme, oui, je compte faire un commentaire euh, du livre de l'Apocalypse pour proposer euh, l'interprétation prétériste. Alors, tu tu, on remonte Alors oui, là le petit commentaire, bon c'est par rapport à la vidéo que j'avais fait sur un chrétien doit-il se ruiner pour organiser une cérémonie de mariage. Comme je l'ai expliqué personnellement, je suis plus pour les choses assez sobres. Euh, J'ai rien contre les grandes cérémonies religieuses, mais c'est vrai que moi c'est pas euh, tellement. Euh... Voilà, c'est pas, ça correspond pas tellement à ce que j'aime. Alors, question de Salut les cathos. Salut, quel livre j'optais pour voir des homélies ou des pensées de saints sur les sacrements Alors, il y a plusieurs pères de l'Église qui abordent ce sujet. Par exemple, il y a, du point de vue latin, il y a Ambroise de Milan qui a, créé, qui a écrit un, un traité spécialement sur le sujet qui s'appelle De Sacramentis. Après, je, je crois, oui, oui, il existe en traduction française tu as aussi euh, je pense alors je n'ai pas vérifié mais je pense que dans l'exposé de la foi orthodoxe jean damascène doit en parler à mon avis donc euh, oui je suis quasiment sûr qu'il doit en parler donc là aussi après tu as euh, tu as aussi par exemple certaines catéchèses euh, cyril de jérusalem notamment euh, qui d'autres tu as aussi Théodore d'Homopsuez que tu peux trouver en français. Donc euh, oui, tu as différents traités sur euh, la question des sacrements. Euh, commentaire, mes parents ont juste organisé un petit repas en compagnie d'un petit nombre de personnes et ont fait toute leur vie ensemble. Ce n'est pas la cérémonie qui fait la réussite du mariage. Donc, ça, c'est plutôt un point de vue avec lequel je suis d'accord et c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Alors là, j'aimerais rebondir sur un commentaire un peu plus euh, polémique qui a été laissé. Donc c'est sous un colibet précédent. Donc c'est pâle. Il me cite "Le christianisme n'est lié à aucune civilisation ou aucune ethnie." Ah bon Donc ça c'est quelque chose que j'ai dit. Et là voilà ce qui répond. Ah bon Jérusalem, Jésus de Nazareth, la Galilée et toutes les références à la Palestine dans les évangiles, c'est du vent. Soit on nage en plein délire, soit on avoue que cette religion est complètement étrangère à l'Europe. Elle est orientale, liée à un peuple sémite, les juifs, l'esprit de ces textes sont totalement sémitiques. La grandeur de la chrétienté au Moyen Âge n'est liée qu'à l'illettrisme généralisé et l'hermétisme autour des textes. L'européen n'était pas sémitisé par le christianisme. Bon. Alors là, visiblement, on a à mon avis le commentaire d'un ethnocentriste européen néopayaïens et antichrétiens. Alors c'est quelque chose euh, bon qui est encore pas assez minoritaire on va dire, mais que l'on voit se développer déjà depuis les années 70. Il existe, je dirais, dans toutes les ethnies des ethnocentristes qui, en particulier, veulent euh, violemment rejeter le christianisme comme une religion importée. Donc chez les, chez les africains, tu as, on a tout un courant euh, noirs et tout ça, qui accusent le christianisme d'être la religion des blancs. Euh, alors j'ai déjà fait une vidéo aussi là-dessus pour expliquer pourquoi historiquement et bibliquement ça n'avait euh, aucun sens. Mais euh, c'est très à la mode. Et il y a plusieurs responsables d'églises évangéliques d'ailleurs qui m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient assez alarmés parce qu'il y avait des jeunes euh, dans leur église qui se détournaient euh, de la foi chrétienne parce qu'il pensait que le christianisme, c'était la religion des colons, la religion des blancs. Donc, je vous mets le lien. Donc, le christianisme est-il la religion des blancs Alors, c'est amusant, il y a une vidéo qui apparaît juste en dessous, euh, d'où vox. En fait, c'est une vidéo qui avait été faite il y a trois ans sur moi, et je compte justement euh, y répondre, en fait, dans la semaine. Mais ça, je vous en reparle à la fin du direct. Donc là, c'est la vidéo Le christianisme est-il la religion des Blancs, où j'explique pourquoi ça n'a aucun sens euh, de dire cela. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que euh, ça existe en fait aussi euh, chez les Blancs. C'est-à-dire que les Noirs disent que le christianisme est la religion des Blancs, mais tu as des Blancs qui vont dire que le, le christianisme est la religion des Sémites. Donc euh, aussi une religion étrangère à l'Europe et euh, du coup il faut dans les deux cas la conclusion c'est la même c'est il faut rejeter le christianisme donc chacun en fait trouve le christianisme comme religion étrangère alors pourquoi je dis que euh, le christianisme n'est lié à aucune civilisation aucune ethnie c'est à dire qu'il n'a besoin d'aucune civilisation ou aucune ethnie pour survivre en fait et euh, je vais quand même un peu détailler ce que je voulais dire par là parce qu'à mon avis c'est un sujet très intéressant et ça fera un peu la suite aussi avec ce dont on va parler ce soir. Euh, le christianisme, bien sûr, euh, ce que je dis souvent, c'est que le christianisme est une religion profondément historique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout euh, un dogme euh, qui flotterait euh, quelque part euh, au-dessus du temps et tout ça. Au contraire, Dieu agit dans l'histoire. Dieu agit dans l'histoire, il se révèle euh, progressivement. Et donc, bien sûr que... Euh, Déjà, sous l'ancienne alliance, on est... Euh... Alors oui, je réagis jusqu'à ce que dit Jean-Philippe, c'est notamment ce que j'explique dans mon commentaire. Euh, les premiers convertis au christianisme étaient des Africains avant même l'Europe. Donc euh, le christianisme est bien sûr profondément ancré dans l'histoire. Déjà avant, à l'époque, le culte mosaïque, les Israélites, donc le christianisme s'inscrit dans l'histoire, et c'est comme ça que Dieu travaille. Et donc évidemment, quand Jésus arrive, il arrive dans un contexte très précis. Mais après, c'est déjà la civilisation dans laquelle vivait Jésus a complètement disparu. C'est-à-dire que le judaïsme ancien, bon, euh, symboliquement, je dirais, a disparu en 70. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué, ça a encore un peu survécu, mais on peut dire que au cours du deuxième siècle, il est complètement en fait éradiqué. Soit euh, ils sont littéralement massacrés par les Romains soit progressivement il se transforme en devenant notamment soit juif soit chrétien. Mais le judaïsme ancien, la relie, en fait, la civilisation dans laquelle euh, est né Jésus et dans laquelle a été euh, est né enfin on va dire a été révélé l'évangile en fait a disparu. Mais le message lui s'est ensuite propagé dans d'autres civilisations. Et dès le départ de l'église, c'est très intéressant parce qu'on voit alors nous on pense souvent euh, au monde gréco-romain, c'est-à-dire à, à l'empire romain, et c'est vrai que les, l'empire romain a joué un rôle important dans la diffusion du christianisme. C'est-à-dire que la plupart des pères de l'église écrivaient le grec et, ou le grec ou le latin. Et donc, les plus anciennes œuvres qu'on a conservées sont en grec ou en latin. Mais en fait, dès le premier siècle, le christianisme s'est aussi diffusé dans d'autres aires civilisationnelles, en particulier euh, l'air syriaque alors là aussi j'avais fait déjà une vidéo euh, là-dessus et ce qui est intéressant c'est que le syriaque en fait c'est une langue cousine euh, de l'araméen que parlait Jésus alors le syriaque est de l'araméen mais c'est pas exactement le même dialecte parfois certains confondent et pensent que Jésus parlait syriaque Jésus ne parlait pas syriaque mais euh, mais le le syriaque est très proche de la langue que par les Jésus. Et le Syriaque, notamment, a une Bible. Euh, il y a une Bible qui a été traduite en Syriaque. Peut-être même que l'Ancien Testament a été traduit avant la venue de Jésus. En tout cas, elle a été traduit assez tôt. Euh, je vous partage la vidéo, du coup. Voilà, c'est une vidéo qui s'appelle Découverte du monde syriaque. Et, euh, et donc, il y a tout un christianisme qui s'est développé dans cette région. Euh, je vous mets le lien. Et en fait, euh, ils sont allés jusqu'en Orient et jusqu'en Chine. En fait, il faut savoir qu'on a maintenant découvert des. Alors maintenant, je dis déjà que ça remonte à un siècle. On a découvert que dès euh, la fin de l'Antiquité ou au début du Moyen-Âge, il y avait des missionnaires chrétiens en Chine. Et ça, c'est quelque chose qui avait été euh, complètement oublié. Et en fait, pendant longtemps, il y a eu une église. Chrétienne qui a été développée en Asie et qui a malheureusement été ensuite complètement massacrée. Ensuite, comme l'a euh, rappelé Jean-Philippe, au-delà des, des frontières de l'Empire romain, il y a eu euh, notamment l'Éthiopie qui très tôt s'est convertie au christianisme et qui est toujours restée, euh, malgré toutes les, les difficultés de l'histoire, euh, chrétienne. Donc voilà, donc le, le christianisme n'est lié à aucune civilisation. Il y a certaines civilisations qui ont, pu être, qui ont pu être plus marquées par ce christianisme, notamment euh, la civilisation européenne. Et personnellement, j'aime beaucoup euh, la civilisation européenne, je suis content euh, d'être européen. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le christianisme ne dépend pas de cette civilisation. Si demain, euh, la civilisation européenne euh, s'effondre ou est détruite, pour toutes sortes de raisons, qu'on évoquera peut-être d'ailleurs un peu plus tard, eh bien, euh, le, le christianisme, lui, va continuer. L'évangile va continuer à se diffuser. Matthias donne aussi l'exemple de l'église arménienne. Alors, une église qui, malheureusement, a, a beaucoup souffert au cours de l'histoire, encore au, au début du XXe siècle avec un génocide, mais euh, malgré tout, elle est toujours là et elle continue. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le christianisme s'incarne, l'évangile, on va dire, s'incarne dans différentes euh, civilisations, mais elle n'est soumise, mais l'évangile n'est soumis à aucune civilisation. Et euh, je dirais que ce qui est important, en fait, c'est de conserver le cœur du message, alors que l'expression peut être différente. Par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup euh, dans le cadre d'un projet de recherche pour lequel j'ai été recruté sur les églises d'expression africaine. Bon, bah, là, on voit qu'effectivement, il y a certaines différences par rapport à la façon dont on peut vivre euh, notre foi dans des églises, entre guillemets, plus européennes. D'ailleurs, on peut retirer les guillemets dans des églises plus européennes. Mais euh, je dirais que ce qui est important, c'est que le cœur du message soit le même. Après, il peut s'exprimer différemment. Alors, je regarde s'il y a quelques réactions ou pas déjà. Et... Euh, voilà. Alors, en fait, euh, déjà, très bonne euh, remarque de Mathias. Il faut savoir que Jean était un des prénoms les plus répandus. Et déjà, par exemple, dans la Bible, il y a plusieurs gens Il y a notamment Marc, qui, qui, Jean qui est surnommé Marc et tout ça. En général, quand on parle de l'apôtre Jean, en fait, on fait référence au fils de Zébédé. Euh, bien sûr... Joyeuse Pâques à chacun, effectivement, sauf à nos amis orthodoxes, bien sûr, puisque aujourd'hui on fête Pâques pour les catholiques et les protestants, mais les orthodoxes ont une autre date de Pâques. Euh, ils sont à la mode aujourd'hui les pagano-chrétiens et les afrocentriques. Oui, tout à fait. Euh, il a raison, Yahawada. Euh, qui a raison Est-ce que tu peux expliciter alors, est-ce que je connais Nation of Islam Oui, bien sûr. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas longtemps, c'est un de leurs adhérents qui a fait un attentat au Capitole. Là, j'ai vu dans les informations, il y a un policier euh, qui a été tué et euh, qui, visiblement, ça vient d'un de leurs adhérents. Mais c'est d'ailleurs un groupe auquel adhérait à un moment donné Malcolm X avant de, de s'éloigner. Euh, oui, tout à fait. Un mouvement ethnique noir qui voit l'islam comme une religion pour les Noirs. Mais après, je crois que ce n'est pas un islam tout à fait orthodoxe qu'ils ont. Euh, si j'ai bien compris, euh, ils sont considérés un peu comme une secte euh, par les Sunnites. Euh, je n'adhère pas au prétérisme, mais je n'ai pas encore d'interprétation congruente de l'Apocalypse. Mais est-ce que tu as eu l'occasion déjà de, de lire les articles ou de regarder les vidéos, Plotina Et si c'est le cas, n'hésite pas à me dire qu'est-ce qui ne te convainc pas ou, ou pas. Euh... Salutations fraternelles à toi aussi, Salim, et joyeuses fêtes. Alors, est-ce que je connais le pasteur Saïd Oubijou Oui. Je l'ai déjà rencontré d'ailleurs plusieurs fois. Bon, on a échangé quelques fois, mais pas, pas plus que ça. Euh, les travaux du domitique Adrien Candiar oui. Sur l'islam et Ibn Tamia. Par contre, je n'ai pas spécialement lu ce qu'il a fait sur euh, Ibn Tamia. Mais oui, je connais un peu le, le frère Adrien Candillard. Euh, quelle est la différence entre un méthodiste et luthérien Il y, y, y en a un certain nombre. Euh, déjà, les, les méthodistes sont issus en fait de l'Église an anglicane, donc plutôt de la branche réformée. Mais ça, je pense que on, on fera un, un, un code Libet ou un direct là-dessus, car ça nous emmènerait très loin. Mais par exemple, ils ont une déjà, ils ont des divergences concernant euh, la question du salut, euh, la question des sacrements. Voilà, il y a pas mal de, de, de choses là-dessus. Euh, l'empire gréco-romain ont rasé les israélites de leur terre alors oui euh, il y a eu plusieurs révoltes israélites et forcément à la fin euh, il y avait plus beaucoup d'israélites tertullien et augustin étaient berbères et pas européens oui tout à fait c'est très probable et du coup c'est intéressant ça nous rappelle que le, le christianisme latin a émergé en fait en afrique donc euh, probablement effectivement par des berbères. Euh, que répondent les protestants quand on leur demande pourquoi l'église protestante serait vraie si elle n'apparaît qu'au XVIe siècle Donc Dieu a abandonné son église durant autant de temps. Alors c'est une très bonne question, euh, Adrien, qui du coup, je pense, va me conduire aussi aux, aux commentaires suivants. Alors, en fait, les, les protestants, bon, à part quelques groupes euh, peut-être euh, extrémistes et qui n'ont pas beaucoup étudié l'histoire, ne prétendent pas que l'Église a disparu ou n'existait pas avec eux. En fait, je pense que c'est quel... que quelque chose que les, les orthodoxes et les catholiques ont parfois du mal à comprendre. Et pour moi, en fait, c'est euh, un des points forts du protestantisme. C'est que, justement, le protestantisme n'identifie pas l'Église à une euh, dénomination particulière. C'est-à-dire que pour les orthodoxes, par exemple, l'église orthodoxe, euh, la vraie église du Christ, c'est l'église orthodoxe et ils veulent retracer depuis les origines. Et l'église romaine fait la même chose. Le problème, si on les suit, c'est par exemple qu'en 1054, euh, le Christ aurait perdu la moitié de son église. Hein Alors, bien sûr, pour les orthodoxes, euh, c'est l'Occident. Qui, euh, qui s'est détaché. Pour l'église romaine, c'est l'Orient qui s'est détaché. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'un simple conflit de personnages a entraîné euh, pour le Christ la perte de la moitié de son église. Alors rien que ça, je trouve ça pas du tout convaincant. Mais en fait, pour faire simple, dans l'ecclésiologie protestante, c'est-à-dire dans la façon dont les protestants euh, envisagent l'église, euh, il n'y a pas besoin de dire que l'église apparaît au XVIe siècle. En fait, euh, les protestants considèrent que sont membres de l'Église tous les croyants réellement régénérés, au-delà de des confessions particulières. Donc, tu peux très bien avoir des, des catholiques romains ou même des orthodoxes qui peuvent faire partie de l'Église. Je veux dire, hein, ne, les Églises protestantes ne considèrent pas être la seule vraie Église. Et du coup, euh, les, les réformateurs Martin Luther, Jean Calvin et les autres n'ont jamais prétendu l'église avait disparu avant eux. Ils ont beaucoup d'estime, par exemple, pour Bernard de Clairvaux, et euh, ils ont toujours considéré qu'il y avait à chaque génération d'authentiques chrétiens. Simplement, ils constataient aussi qu'il y avait des dérives importantes lorsqu'on comparait euh, les enseignements de, de l'église, romaine notamment, et ce que disait l'évangile. Et donc le but de la réforme, bah, comme son nom l'indique, c'était justement de réformer l'église et de se rapprocher de l'évangile. Mais se rapprocher de l'évangile ne veut pas dire condamner en bloc et prétendre qu'il n'y avait pas de chrétiens avant nous. Donc voilà. En fait, c'est une question très intéressante parce qu'à mon avis, il y, a, il y a une forte incompréhension euh, sur ce sujet. Du coup, je vais rebondir aussi sur un commentaire qui a été fait. Euh, hop là. En octobre 1517, le moine Augustin Martin Luther affiche ses 95 thèses contre les indulgences papales sur la porte du château de Wittenberg. Cet acte de rupture est considéré comme le début d'un mouvement de réforme jetant les bases d'une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. Bon, alors là, premier détail, je ne pense pas que euh, cet affichage des 95 thèses soit réellement un acte de rupture. En fait, c'était juste un débat médiéval comme tu en avais beaucoup d'autres. Et ça ne constitue pas absolument une rupture. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne considère pas que 1517 soit réellement le début du protestantisme. J'aurai euh, l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Dès lors, pour vous, toute la chrétienté d'avant 1517 est à rejeter. Papauté, roi, reine, monarchie de France, euh, etc. Alors là, on ne peut pas trouver plus faux et plus caricatural. C'est-à-dire que Martin Luther, Jean Calvin et tout ça n'ont jamais euh, appelé à tout rejeter au contraire euh, martin luther était tout à fait fidèle à, à l'empereur il a essayé d'être fidèle à l'empereur jean calvin a essayé euh, je veux dire, d'écrire au roi de france françois ier et tout ça et ils n'ont jamais prétendu euh, tout rejeter en bloc ensuite euh, ils reconnaissaient qu'il y avait comme je viens de le dire de nombreux chrétiens authentiques depuis les origines encore une fois euh, là c'est une caricature complète le catholicisme est diabolisé dans les branches du protestantisme comme dans les églises évangéliques, alors que l'Église romaine existe bien des siècles avant Luther. Alors je dirais oui, il y a une diabolisation qui peut exister, mais euh, la réciproque est aussi vraie, et j'ajouterais que parfois euh, les critiques sont quand même tout à fait justifiées. Cela ne vous amène pas à une réflexion approfondie sur la légitimité du catholicisme. Protestant signifie protestation. Ce n'est pas un joli terme pour, expliquer, pour exprimer une foi. Euh, alors là, on a une erreur classique, c'est que protestants à l'époque moderne n'avaient pas le même sens. En fait, les protestants ont pris ce nom parce qu'ils attestaient de leur foi et c'était tout à fait positif euh, dans leur bouche. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la fin. Catholique, qui signifie universel, est beaucoup plus adéquate à la volonté de Dieu qui remplit l'univers. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour cette raison que les protestants s'intitulaient eux-mêmes catholiques. Et de dire le catholicisme romain, c'est en fait un oxymore. Et ce que reprochent les, euh, les réformateurs, c'est justement à l'Église romaine, c'est justement de s'être éloigné du catholicisme. C'est-à-dire que la foi catholique, c'est la foi commune. Or, au fil des années, l'Église romaine a ajouté de nombreux dogmes qui étaient totalement inconnus des premiers pères. Et donc, ce qu'on reproche, ce que les protestants peuvent reprocher à l'Église romaine, c'est justement de s'être éloigné du catholicisme, c'est-à-dire de cette foi universelle. Et un des éléments clés de cet éloignement, c'est le rôle du pape qui a pris de plus en plus de pouvoir au fil des années. Donc voilà ce que je pouvais répondre. Euh, rapidement, peux-tu me conseiller un, un livre, une vidéo, un reportage sur tertullien? il euh, y a un livre sur tertullien, mais pas le de mémoire. je n'ai pas, pas le nom de l'auteur. sinon, je ferai probablement une petite vidéo d'introduction à tertullien à l'occasion aussi. Et euh, question de Benoît, j'aimerais être convaincu par cette datation. Donc là, il parle de la datation de l'Apocalypse avant 70, mais euh, il faudrait quand même aller plus en profondeur et contrer les arguments d'éminents spécialistes comme Bocam, par exemple, qui ne va pas dans ton sens. Alors, à ma connaissance, il faudrait que je me replonge dedans, mais je ne pense pas que Bocam apporte spécialement des éléments nouveaux par rapport euh, à ce que je dis. Cela dit, si tu, si tu as des, des éléments précis à avancer par rapport aux, aux arguments de Bocam, alors j'essaierai de, de me replonger pour voir ce qu'il dit, mais n'hésite pas à les proposer. Par exemple, dis-moi euh, les arguments que tu aimerais que je discute. Donc voilà, donc ça c'est une réponse ouverte à, à Benoît par rapport à, à cette question. Alors je regarde s'il y a des réactions. Euh, le message est judéen, mais c'est grâce à la langue grecque qui était majoritaire dans tout l'environnement des nations autour d'Israël. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est un, une des preuves, entre guillemets, de l'universalité du christianisme. Par exemple, contrairement à l'islam, c'est que le message n'a pas été diffusé, entre guillemets, dans la langue dans laquelle il a été révélé. C'est-à-dire que Jésus s'est exprimé en araméen, mais le message a été diffusé en grec, qui est, entre guillemets, l'anglais de l'époque. Et cela montre que dès le départ, le christianisme a une vocation universelle et il n'est pas attaché à une langue précise. C'est-à-dire que le grec n'a pas dans le christianisme le même statut que l'arabe dans l'islam ou que l'hébreu dans le judaïsme. Il n'y a pas une langue religieuse. Et ça, ça me paraît important. Euh, Martin Luther King était luthérien. Euh, non, Martin Luther King était baptiste, mais baptiste assez libéral, il faut préciser. Euh, la Bible est un joli recueil, mais peu probable qu'elle soit rationnelle. Alors, moi, je pense au contraire que, que la Bible est tout à fait rationnelle. Est-ce que tu pourrais développer, Benoît, pourquoi tu penses le contraire À aucun moment, elle ne parle de l'univers. Dieu y parle comme un homme, alors que c'est un principe abstrait. Mais justement, euh, Dieu, c'est la base de la théologie chrétienne. C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme, c'est l'incarnation, et pour parler aux hommes, il a besoin de parler un langage humain. Il a besoin de descendre vers nous pour ensuite nous amener vers lui. Euh, oui, Martin Luther King était baptiste. Euh, question justement, les Romains ont, et d'autres ont rasé Rome plusieurs fois. Pourquoi le mur des lamentations serait-il le bon Alors, je suppose que tu veux dire, on rasé Jérusalem. Euh, pourquoi le mur des lamentations serait-il le bon euh, Alors, le mur des lamentations, c'est ce qui reste du, euh, du Second Temple. Et, euh, en l'occurrence, je... En fait, la, la construction était tellement monumentale, euh, là, je ne pense pas vraiment qu'il puisse y avoir de doute sur le, le mur des Lamentations. Je dirais que c'est peut-être un des rares vestiges archéologiques dont peut, on peut être sûr. Déjà parce qu'il est sur le mont du Temple. Enfin, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais peut-être que je n'ai pas compris euh, ta, ta question, Jonathan. Est-ce que tu peux préciser Le frère Adrien candiar est-il intéressant il est sympathique, intéressant, je ne l'ai pas encore assez lu pour donner mon, mon avis dessus. Euh, le nom de Yahvé employé avant Exode 3.14 est-il anachronique Il me semble incohérent que ce nom soit employé alors que Dieu précise qu'il ne s'est jamais révélé sous ce nom au patriarche. Alors, euh, Angelo, est-ce que tu as lu mon livre, euh, Les scribes d'Israël Parce que justement, j'explique pourquoi. En fait, les textes ont différents auteurs et euh, certains auteurs emploient le nom de Yahvé dès l'origine, tandis que d'autres auteurs ne l'emploient euh, justement qu'au moment euh, du séjour en Égypte. Donc ça, ta question, euh, ça s'explique par la différence d'auteur. Et j'explique cela dans, dans mon livre. Euh, les orthodoxes ne sont pas si méchants que les protestants envers les catholiques. Euh, bah, écoute, euh, Plotina, je crois que tu ne connais pas beaucoup d'orthodoxes parce que je peux te dire que je connais beaucoup d'orthodoxes qui sont euh, beaucoup plus sévères envers euh, les catholiques romains que les protestants. Euh, et regarde par exemple comment le pape a été reçu en Géorgie ou des choses comme ça. Euh, moi, je vais te raconter une petite anecdote que j'ai déjà racontée. Une fois, j'étais, euh, enfin, c non, c'était pas moi, c'était un, un ami euh, qui était pasteur, euh, en, qui est un pasteur suisse. Il est rentré dans un monastère orthodoxe. Quand les moines orthodoxes ont su qu'il était suisse, ils ont cru qu'il était catholique romain, ils ont voulu le jeter du coup euh, tout de suite. Et en fait, quand il leur a dit qu'il était pasteur, il est donc protestant, ils l'ont laissé tranquille. Donc, euh, non, je peux te dire qu'il y a beaucoup d'orthodoxes qui ont euh, vraiment une dent contre les catholiques romains et des fois de manière beaucoup plus virulente que les protestants. Euh, David, l'anglicanisme est dérivé du catholicisme ou c'est une forme de protestantisme Alors, l'anglicanisme est clairement une confession protestante et une confession réformée. C'est-à-dire que la base de l'anglicanisme, ce sont les 39 articles. Et lorsque vous lisez les 39 articles, c'est clairement une théologie protestante réformée. après, c'est la forme extérieure du culte qui peut ressembler plus au catholicisme. donc, c'est pour ça que certains font cette confusion. mais d'un point de vue théologique, l'anglicanisme est clairement une confession réformée. Euh, « Pour moi, si l'Apocalypse date d'avant 66, 70 ça fait sens par rapport aux événements qui précédaient la destruction de Jérusalem. » Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Euh, les pères de l'Église disent « Le Nouveau Testament était écrit en hébreu à la base, puis traduit en grec. » Ce n'est pas du grec. Alors non, pas tout à fait. C'est vrai pour un évangile, c'est l'évangile euh, de Matthieu. Et certains pensent que c'est aussi vrai pour l'épître aux Hébreux. Mais là, à mon avis, ils se trompent. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas tout le Nouveau Testament. C'est uniquement l'évangile euh, en hébreu. Euh, l'évangile de Matthieu, je veux dire. Et en fait, ils disent en langue hébraïque. Et j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, donc je vais la mettre. Voilà. voilà. C'est euh, l'origine des évangiles d'après Papias de Hierapolis. Voilà. Euh, je continue. Alors, hop, là, il y a la pub qui commence, donc on va arrêter là. Euh, la Pâque chez les chrétiens d'Orient, oui, est différente. Connais-tu personnellement dans ton entourage des chrétiens qui diffusent des thèses conspirationnistes Oui, j'en connais beaucoup. <laughs> j'en connais beaucoup. Euh, D'accord, bah, n'hésite pas à me dire quand tu l'auras terminé. Adrien Candia, fait partie, fait, il fait partie des dominicains du Caire. Oui, il fait partie des Dominicains du Caire. Bientôt le Ramadan, le 13 avril. Alors, je vous reparlerai de ça à la fin du direct, mais pour une autre raison. Euh, certains pensent que Jérémie 8.8 est une preuve que les scribes d'Israël ont falsifié la Torah. Alors oui, c'est quelque chose qui est souvent avancé par les musulmans, euh, je ne pense pas du tout que ça soit le sens de ce verset, mais c'est vrai que je n'ai pas, euh, pas encore fait de, de vidéo là-dessus, mais je dirais juste que non, je, je ne pense pas que c'est une preuve euh, de falsification. Yahvé était déjà en usage dans la religion d'Ugarit avant le judaïsme. Alors, oui, c'est intéressant de noter que Yahvé n'est pas spécifique au judaïsme ancien. Moi, je suis gentil avec les orthodoxes, ils sont très sympas avec moi. Alors, moi aussi, je te rassure, Plotina, je suis très gentil avec les orthodoxes, et ils sont aussi gentils avec moi. Alors, du coup... Euh... Alors, je vais répondre à la question de Vincent. Euh, oui, moi aussi, j'en connais. J'ai l'impression que ça devient un virus contre notre foi. En es-tu aussi préoccupé Alors, je pense, et j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer plusieurs fois, que le conspirationnisme peut, euh, peut être euh, un danger pour plusieurs raisons. Déjà, il y a souvent des connexions avec le New Age, l'occultisme, l'ésotérisme. Euh, et donc ça peut attirer petit à petit les chrétiens euh, en dehors euh, vers des, des choses un peu douteuses. Pareil, par ailleurs, je pense qu'aussi méthodologiquement, ça pose beaucoup de problèmes. Car le but euh, d'être chrétien, c'est de rechercher la vérité. Et donc pour ça, il faut quand même avoir une méthodologie euh, qui soit cohérente, qui soit logique. Et le conspirationnisme, en fait, c'est tout le contraire. C'est se laisser euh, dominer par des émotions et qui, qui, qui faussent complètement notre vision des choses. Voilà. Euh... Alors que cracher sur les catholiques semble être un passe-temps pour les protestants. Nous, on ne parle pas des protestants entre nous. Alors, si tu veux, Plotina, je peux te présenter des chaînes catholiques qui sont obsédées par les protestants. Hein. Je veux dire, euh, si tu veux, on peut aussi reparler de l'histoire de France et tout ça. Tu verras que euh, les, les catholiques romains ont des fois été un peu obsédés aussi par les protestants. Et puis, pour avoir fréquenté quand même certains milieux, je vois qu'il y a quand même beaucoup de préjugés anti-protestants. Donc euh, là, je ne pense pas que ça soit mieux, tout ça. Euh, comment se fait-il que le nom de Yahvé ne soit pas spécifique aux Israélites Les païens et les Hébreux adoraient le même Dieu. Alors en fait, les liens sont beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que les Hébreux, en fait, étaient pas un peuple. Euh, je veux dire, ils sont pas, ils ont pas été créés ex nihilo. Ils avaient beaucoup de liens avec les autres peuples de la région. Et donc euh, oui, ils partageaient des cultes communs, en fait. David, peux-tu expliquer comment le prophète Jonas a pu avertir les Ninivites si les Assyriens n'avaient pas une conception d'un Dieu unique comme les Israélites Mais alors déjà, en fait, à l'époque de Jonas, euh, on ne sait pas exactement quelle était la conception des Israélites. C'est-à-dire qu'il était probable, beaucoup d'entre eux devaient d'ailleurs certainement être plutôt monolâtres que monothéistes, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient que leur Dieu était en quelque sorte le Dieu suprême, le Dieu qu'ils vénéraient, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres dieux à côté. À mon avis, il y a beaucoup d'indices archéologiques qui montrent qu'à l'époque de Jonas, euh, les Israélites étaient souvent au mieux monolâtres, voire parfois polythéistes. Et euh, l'idée qu'un Dieu puissant puisse punir un peuple à cause de ses péchés, c'est quelque chose qui était tout à fait compréhensible par euh, les autres peuples aux alentours, même sans être monothéiste. Euh, C'est ce qu'on voit dans, dans les récits anciens de, en Mésopotamie et tout ça. Donc en fait, il faut bien comprendre à mon avis, peut-être peut qu'il faudrait que, que je développe ça à l'occasion, euh, il faut pas en fait faire d'anachronisme. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a bien cette conception monothéiste de Dieu, mais il faut pas imaginer que c'était une évidence pour tout le monde euh, dès l'époque de Moïse. En fait, si vous regardez le livre de Ruth, par exemple, vous voyez qu'à l'époque de Ruth, euh, clairement, euh, les Israélites avaient plutôt une conception monolâtre. Je vais vous mettre le texte. Euh, regardez ce que dit euh, Naomi lorsqu'elle renvoie Ruth. Euh, je vous mets le lien. Regardez, donc Naomi c'est une israélite et regardez ce qu'elle dit à Ruth quand Ruth veut rester avec elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeuras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc vous voyez que Naomi en fait dit à Ruth de retourner vers ses dieux. Parce que c'était l'idée que chaque peuple avait ses propres dieux et que quand on changeait de peuple, on changeait de Dieu en fait. Et les Israélites avaient bien leur Dieu qu'ils devaient vénérer, mais à côté de ça, euh, ils reconnaissaient que les autres peuples pouvaient aussi avoir leur propre Dieu. donc voilà donc à l'époque pour te répondre je suis pas sûr forcément qu'à l'époque de jonas euh, tous les israélites étaient monothéistes en fait je regarde je continue les commentaires Euh, la Bible n'enseigne pas le monothéisme car les nations ont toujours eu leur Dieu. Alors si progressivement, on voit quand même le monothéisme se développer, notamment chez les prophètes. Par exemple, le monothéisme est très clairement enseigné dans le livre d'Ésaïe, notamment ce qu'on appelle le Deutéro-Ésaïe. Et, euh, et puis il y a des psaumes qui disent aussi les, les dieux des nations sont des faux dieux, ce sont des démons et tout ça. Donc si on voit quand même la révélation monothéiste apparaître au fur et à mesure. Euh, que répondre face aux chrétiens diffusant des thèses complotistes et disant que la Bible est un livre complotiste et qu'ils sont arrivés à la, la, la foi grâce à la théorie du complot Alors c'est une très bonne question parce que je connais effectivement des personnes euh, qui, qui sont arrivées à la foi grâce à des théories du complot. Bon, si c'est très bien qu'elles soient devenues chrétiennes, après je ne cache pas que je trouve ça aussi très problématique que ça soit par ce moyen-là. Et euh, le mieux, enfin, ce qu'il faut espérer, c'est qu'elles évoluent, car sinon, euh, ça peut être très compliqué. Après, je n'ai pas vraiment euh, pour l'instant de, de réponse, euh, je dirais, fixe à te proposer. C'est un sujet sur lequel je, je travaille encore. Donc, euh, voilà. Après, je ne vois pas en quoi la Bible sera un livre complotiste, par contre. Euh, il faut leur demander qu'ils expliquent en quoi, en quoi la Bible sera un livre complotiste. Alors, euh, Bible, ça veut tout simplement dire livre, en fait. À l'origine, Biblion, Biblia, c'est un pluriel, un pluriel grec. Et ensuite, ça a été traduit au latin en singulier pour donner la Bible. Mais Salim, j'explique tout ça dans, en introduction de mon livre. Donc, si tu veux, euh, tu, tu peux le commander et tu auras la réponse à cette question. Euh, ne pas être complotiste est problématique quand on est chrétien. Les païens complotent contre les juifs et les juifs contre les christes. Alors, en fait, je pense que là, tu soulèves un point intéressant, c'est la définition euh, du complotisme. C'est-à-dire que ne pas être complotiste, ce n'est pas nier les complots. Et ce n'est pas parce qu'on croit à des complots qu'on est complotiste. En fait, le complotisme, euh, d'ailleurs, je comptais faire une vidéo là-dessus, c'est plutôt de tout lire à travers une sorte de complot mondial. Ou de voir des complots derrière tous les événements. Donc en fait, c'est, je dirais, une systématisation du complot. Mais l'histoire montre l'existence de complots. Et donc ce serait absurde de nier les complots. Mais le complotisme, c'est de chercher à tout expliquer par là, en fait. C'est ça le problème. Euh, à quel moment Israël est devenu monothéiste dans la Bible En fait, je pense que ça s'est fait progressivement. Euh, je ne crois pas que j'aborde directement la question dans mon livre. Euh, je je, je l'aborderai certainement dans, dans un prochain livre. Mais euh, pour le moment, je ne crois pas en avoir parlé. Mais on voit qu'il y a des prophètes qui appellent progressivement au, euh, au monothéisme. Mais euh, les, les Israélites ont du mal. On sait, par exemple, encore au 4 euh, même 3 siècle avant Jésus-Christ, euh, à Elephantine, par exemple, ils étaient poly polythéistes. Ils adoraient visiblement Yahvé avec sa femme. Pour eux, Yahvé avec une femme, par exemple. Donc, euh, les prophètes, Jérémie, par exemple, a beaucoup combattu le, le, monothé le polythéisme, mais ça avait du mal à passer auprès du peuple. Pas d'accord. Les complotistes qui disent que le 11 septembre est un complot mais qui en ni d'autres ne s'y systématisent pas. Mais encore une fois, ça, ça dépend de ce qu'on appelle par complotiste. C'est-à-dire que moi, je pense que ceux qui, pour le 11 septembre, enfin, après, ça dépend des théories, mais euh, je pense que peut-être qu'ils se trompent, mais ce n'est pas parce que tu crois à une théorie, euh, on va dire, alternative que tu es complotiste. Quelqu'un qui me dit, par exemple, moi, je pense que le, le, le 11 septembre a été fait par la CIA, ça suffit. Enfin, on peut considérer que la thèse est complotiste, mais ça ne suffit pas pour moi pour le caractériser comme complotiste. C'est-à-dire que pour moi, le complotisme, c'est vraiment une forme de pensée qui va bien plus loin. Ce n'est pas juste adhérer, entre guillemets, à une théorie alternative ou à une théorie du complot. C'est lorsque lorsqu'on adhère systématiquement aux théories du complot lorsque l'on cherche toujours euh, voilà c'est mais je développerai ça peut-être dans une vidéo mais c'est bien que tu soulèves la, la question Panthère. Euh, David tu penses quoi des gens qui lèvent les mains lors des moments de louange bah, ça c'est une bonne remarque ça rejoint euh, tout à fait en fait euh, ce que je disais au, au départ sur le rapport entre la foi et l'expression de la foi. Pour moi, typiquement, ça relève typiquement de l'expression de la foi. Euh, moi, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de lever les mains, je suis plutôt euh, sobre, on va dire, mais euh, je vois des gens qui lèvent les mains et tout ça. Personnellement, euh, ça fait partie des choses qui, justement, qui peuvent relever de, de cultures différentes et tout ça, et qui, pour moi, ne, ne doivent pas poser de problème au sein de l'Église, tant que ça ne remet pas en cause la doctrine. Euh, bonsoir David, pourrais-tu parler de la succession apostolique dans le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église antique? Alors oui, tout à fait, Joseph. J'avais commencé une série de, de vidéos là-dessus, euh, pourquoi j'étais protestant et je comptais aborder la, la question de la succession apostolique. Euh, ceux qui m'ont répondu sur le sujet m'ont dit que la Bible faisait référence maintes fois à des complots. Oui, mais là, du coup, Vincent, je pense que c'est ce que je disais, c'est-à-dire que refuser le complotisme, ce n'est pas nier l'existence de complot, mais euh, c'est de dire qu'on ne peut pas en faire la clé de lecture de l'ensemble de l'histoire. Euh, pourquoi penses-tu que l'Eucharistie, par exemple, est un pouvoir donné à tous et pas seulement aux douze Alors, je, je dirais que la question est inverse, c'est pourquoi... Euh, faut-il limiter l'Eucharistie aux douze Après, je ne dirais pas que c'est un pouvoir. Euh, L'Eucharistie, c'est Jésus qui ordonne, c'est avant tout un commandement, c'est de faire euh, cela en mémoire de lui. Et il le transmet à ses disciples. Et du coup, la question que je poserais, Joseph, est-ce que tu vois Jésus euh, qui dit aux, aux douze, euh, qui réserve en fait l'Eucharistie aux douze ou à des personnes... Euh, je ne le vois pas dans la Bible en fait. Il y avait, avait une femme à l'éléphantine, oui, tout à fait. Euh, écoutez, comme euh, leur approche, je vous propose de s'arrêter là. Du coup, euh, on n'a pas eu le temps d'aborder euh, la question. Euh, que j'avais prévu au départ sur euh, les, les lois récentes, les dissolutions et tout ça. Du coup, je vous propose de commencer par ça la semaine prochaine. Juste avant, euh, j'aimerais terminer par une petite annonce et euh, je, je posterai une vidéo euh, sur le, le sujet demain. Euh, déjà, ceux qui apprécient euh, le, mon travail de recherche et les, les enseignements que je partage, n'hésitez pas à soutenir financièrement, cela m'aide beaucoup par PayPal, par Tipeee ou par Vimonde Bancaire. Mais exceptionnellement, j'aimerais faire un petit appel complémentaire. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais l'arrière de ma bibliothèque vient de changer. En fait, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire et je me suis acheté l'histoire du christianisme. Alors, qu'est-ce que l'histoire du christianisme C'est tout simplement l'ouvrage le plus complet sur, comme son nom l'indique, l'histoire du christianisme. Par exemple, euh, j'ai avec moi le premier tome que vous voyez ici, qui va à des origines jusqu'à 250. Et il fait à peu près 1000 pages. En tout, il y a 14 volumes. Donc, ils font à peu près 14 000 pages et des pages euh, grand format, comme vous pouvez le constater, et euh, qui couvrent l'ensemble en fait, de l'histoire du christianisme, aussi bien en Orient, en Occident et vraiment sur toutes les églises. Alors, je l'ai acheté pour mon anniversaire parce que euh, je travaille dessus depuis très longtemps, de, depuis euh, la fin de licence ou le début de master, 6-7 ans, 7-8 ans plutôt et j'en ai trouvé un exemplaire euh, à un prix très intéressant chez un libraire chrétien euh, indépendant et du coup je me suis dit bah, c'est l'occasion de, de l'acheter mais euh, même si je l'ai trouvé à un très bon prix euh, ça coûte quand même c'était pas donné hein, vous vous doutez bien puisque c'est 14 000 pages et du coup ce que je propose c'est que ceux qui apprécient le travail que je fais et et les vidéos que je propose eh bien, de, de participer en fait, financièrement à l'achat de ce livre. Donc sous mes vidéos, vous pourrez trouver, euh, vous pourrez trouver en fait, les informations nécessaires euh, pour euh, Tipeee, Paypal et tout ça. Et euh, certains me demandaient euh, quand était la date d'anniversaire. Et eh bien en fait, je découvre que cette année, ça tombe euh, le jour du début euh, de Ramadan. Voilà. Donc, euh, je vous laisse chercher la date. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tous. Merci d'avance à ceux qui veulent participer. The euh, Sien, comment faire pour envoyer de l'argent bah, Tu trouveras justement toutes les informations sous mes vidéos. Tu peux le faire par virement bancaire, par euh, Tipeee ou par PayPal. Donc, voilà. Merci d'avance à, à tous. Et euh, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour euh, un direct. Je ferai un direct. Alors j'hésite encore de, sur le, le sujet car il y en a plusieurs, mais dans tous les cas, je ferai un direct euh, mercredi prochain. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous. Au revoir.